Kemmler, qui est né dans la musique, puisque son père était et est toujours un magnifique compositeur, pianiste, arrangeur, et il se trouve qu'il était à l'époque le mari de Georgette Lemaire. À cette folle époque de Nogent-sur-Marne où j'écrivais pour Georgette Lemaire des chansons, quand celui qui va venir maintenant est né, je l'ai vu, il avait donc 2 jours. Il a de la barbe, alors donc à mon avis, c'est qu'il a un peu plus de 2 jours maintenant et qu'il a grandi. Il est venu faire, nous faire une petite surprise et un cadeau à sa mère et à moi-même, peut-être à vous. Donc le fils de Georgette Lemaire et Bob Seller, que je salue d'ailleurs quelque part à Biarritz, qui doit nous regarder. Le fils qui a un peu grandi depuis que je l'ai fait naître, qui va essayer de chanter devant maman, « Vous étiez belle, madame Tony Seller ». Vous étiez belle, madame, quand je vous ai vue ce jour-là. Vous étiez belle, madame, lorsque vous marchiez à son bras. Vous étiez si bien habillée, vous étiez si bien maquillée, que je n'ai pas pu m'empêcher de vous envier. Vous étiez belle, madame, et lui semblait très fier de vous. Vous étiez belle, madame, et j'ai pensé, je vous l'avoue, que je ne pourrais plus jamais reprendre celle que j'aimais, parce que la vie de tous les jours, ça tue l'amour. Vous étiez belle, madame, quand je vous ai vue ce jour-là. Vous étiez belle, madame, mais au fond je ne vous en veux pas. Puisqu'il est beau et qu'il vous plaît, profitez-en si vous voulez. Moi je sais bien que vous n'allez pas le garder. Elles étaient belles, madame, celles qui l'ont connue avant vous. Belles comme vous l'êtes, madame, mais croyez-moi, ce n'est pas tout. Moi j'ai partagé avec lui autant de joie que de soucis. Vous comprendrez peut-être un jour, c'est ça l'amour. Vous étiez belle, madame, mais quand il se lassera un jour de cette histoire, madame, alors cette fois, comme toujours, il reviendra et je ferai semblant de croire en ses regrets. La vie continuera pour nous et voilà tout. Prends ton micro, Georgette. Oui. Dis-moi, mais d'abord, Tony, j'ai pas menti, t'es né en quelle année ? 69. Je m'en souviens très bien. Oui. Tu te souviens ? J'étais là. J'étais très content parce qu'on avait vu, Georgette voyait beaucoup des mages, des voyants qui m'avaient dit ça, mon petit gars, ça sera une fille. Ah oui, oui. Vous avez vu ? Ah, tu te souviens ? Vous avez vu le résultat ? C'est un triomphe total. Papa est toujours au piano à Biarritz ? Toujours, oui. Alors, mon cher Tony, quelle drôle d'idée de chanter cette chanson. Tu sais que c'était une chanson que j'ai écrite pour ta maman en 1960. En quelle année elle l'a créée ? Je sais pas, avant que je naisse. Oui. Avant que je naisse. En 67. Oui, oh, gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné. Ta mère a chanté cette chanson la première fois en février 67. J'ai de bonnes raisons de m'en souvenir. J'étais militaire et j'étais très content quand elle chantait cela. Alors,
tu as eu envie de chanter cette chanson-là, mais qu'est-ce que tu fais depuis que tu vis maintenant avec ton père? Tu fais de la musique? Je fais beaucoup de musique, je joue beaucoup d'instruments. Et de la batterie, principalement, du piano aussi, et puis je compose. Oui. Et puis je fais beaucoup de chansons, voilà, comme toi. Et d'ailleurs, j'admire honnêtement vraiment les paroles de Vous étiez madame. Elles sont là, quand je les ai redéchiffrées l'autre jour pour l'apprendre exactement, tout ça, c'est elles sont vraiment très très belles. Très gentil, vraiment. Ce petit. Non, vraiment, c'est vrai, c'est vrai. C'est une chanson que je fais avec Jean Delaine et Jean-Jacques Debout. Vraiment, magnifique. Et toi, petite Georgette, comment vas-tu? Mais je trouve que tu rajeunis, que tu es de plus en plus belle. Oh, bah t'es gentille. C'est vrai, t'as l'air très en forme. Qu'est-ce que tu fais de beau alors? Je suis toujours très à l'aise dans tes émissions. C'est vrai. C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a choisi des chansons que tu as enregistrées tout au long de ta carrière, je le disais en présentant, que tu n'as pas beaucoup chanté sur scène et que tu es venu nous offrir spécialement dans l'émission. Oui, c'est des chansons très anciennes, mais qui me plaisent beaucoup au niveau texte et tout ça. Je sais, au niveau texte. Alors, Georgette, c'est toujours le texte. Tu te rappelles que j'étais très stricte sur le texte. Oui, parce que Georgette veut ressentir les paroles de ce qu'elle chante, et les chanteurs qui préfèrent choisir la musique, Georgette préfère choisir d'abord le texte. Toi, tu vis entre Paris et Biarritz? Entre Paris et Biarritz, et Toulouse aussi, où je prépare des chansons là-bas. Ah, mais tu n'arrêtes pas. Oui, voilà, j'aime voyager. Et les deux autres fils? Les deux autres fils, ben, j'ai Pascal, le plus grand, que tu connais très bien. Lui aussi. Parce que il joue dans un orchestre. Lui aussi? Oui, c'est la famille musicien. Il est à Paris là, pour quelques jours, là, il va jouer leur orchestre. Et il y a celui du milieu. Et puis Yvan, le sauvage, le plus sauvage des trois. Qui est dans la loge. Qui le plus sauvage d'entre tous. Alors, lui, il est là caché. Ah oui, oh, bah, lui. Il va se montrer. Lui, il fait de la batterie. Alors, lui, mais ils font tous de la batterie, là. Quel bambou là quand ils répètent. On a tous commencé par la batterie. Je me souviens, on était dans l'appartement. Pascal, oui. À Nogent-sur-Marne, on était dans l'appartement. Un jour où elle n'était pas là, on avait monté la batterie avec des bongos, avec on tapait sur les cartons. Enfin, c'était l'émeute. Et moi qui adore le piano. Tu te rends compte? De la batterie. On tapait sur le piano parce que ça résonnait mieux, mais on tapait pas sur les touches. Mais si je le laisse faire, il a pris que ma place, lui, parce qu'il parle drôlement bien à la télévision. Hein. Formidable. Dis-moi, tu peux te raser peut-être avec le micro? Il parle mieux que sa mère. Non, ça marche pas, j'ai essayé, ça marche pas. Il parle mieux que sa mère. Ah oui, il est doué. Hein. Ouais, voilà la famille Georgette Lemaire avec son troisième fils. Merci d'avoir chanté cette chanson, ça m'a fait plaisir. On tourne une page, ma petite fille, le temps que tu ailles rejoindre ta place pour chanter Superstar un soir sur France 2. Merci. Dans la nuit des rigolos, il y aura beaucoup d'aventures. De l'aventure avec un éléphant très, très affectueux.